Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est du Gardien de la Galaxie, volume 2, c'est notre ami Yondu, on est parti pour la review. Notre ami Yondu, c'est la MMS 436, c'est la version Deluxe, donc avec quelques accessoires supplémentaires qu'on détaillera au déballage. Visuel habituel, c'est le gros magnétocassette avec le haut-parleur. Ce sur haut-parleur, cette fois, c'est la tête de Yondu qui apparaît avec sa crête, puisque c'est le personnage que l'on va présenter aujourd'hui. Visuel habituel, hein, donc rien ne change. On a le gros magnéto, on a le gardien de la galaxie, une boîte au niveau des coloris très flashy et très acidulée avec du rose, du bleu, donc du violet. Très très belle boîte. Sur le côté, on retrouve le vaisseau en question des Gardiens de la Galaxie. Sur l'arrière, les Gardiens de la Galaxie avec les warnings, le logo officiel de Marvel. Rien de bien particulier, le bouton de volume. Sur le dessus, les boutons play pour stop. Tout ce qu'on avait sur les précédentes, hein, les boîtes on les connaît. C'est déjà la troisième ou quatrième figurine que je vous propose de cette licence et de ce film en question. On va passer tout de suite au contenu. Avant, on regarde... Ah oui, comme d'habitude, les chipsets, oh pardon, la cassette, Awesome Mix Volume 2, Hot Toys présente, tous les crédits de réalisation dans chaque chipset informatique de radio cassette. On a qui a fait quoi. Allez, on passe à l'intérieur. Contenu de cette fille. Donc je pense que là, par contre, on va remonter le niveau par rapport aux deux reviews précédentes. Puisque la pauvre Furiosa et le pauvre Dean Winchester nous ont un petit peu plombé l'ambiance dans la topissimissimité, on va dire ça comme ça, de ce qu'on a connu jusque maintenant au niveau des figurines. Alors, version de luxe, hop, on ouvre, et je vous fais découvrir le contenu. Un énorme merci à mon ami Anthony Vargas, qui est la personne qui a pris cette figurine et qui me permet de faire la review aujourd'hui. Donc mon petit Anto, je t'avais oublié lors des remerciements, comme j'en avais oublié pas mal d'autres lors de la dernière review de la vidéo numéro 200 de Luc. J'avais oublié énormément de personnes donc, qui ne sont pas gênées et qui ont eu raison de me rappeler en me disant « moi tu ne m'as pas cité ». Donc je ferai une vidéo de toute façon très bientôt live avec un question-réponse. Hein, donc je vous laisserai en live me poser toutes les questions que vous voulez, surtout sur les figurines, sur mes choix, sur d'où elles viennent, d'où ceux que je conseille comme boutique, tout ça. On fera un vidéo live bientôt et je vous remercierai tous bien particulièrement, nom après nom, de tous ceux qui m'aident au niveau de la participation de cette chaîne. On continue. Version exclue, c'est donc tout ce qu'il y a ici dedans. On a donc le jetpack. Ça fait partie de la version exclue. Le gros gun pour Rocket. Donc il y a cette espèce de sulfateuse en question qu'on détaillera après pour Rocket. Et la cage pour Baby Groot. Donc ça, c'est la version exclusive. C'est les trois items que vous aurez si vous prenez la version de luxe. Donc magnifique petite cage. On mettra gros tout à l'heure dedans, je vous montrerai. Ça s'ouvre super facilement. Hop. Et on a Baby Groot qui doit être quelque part perdu, qu'on mettra tout à l'heure dedans pour vous montrer le résultat. Donc ça fait partie de la version exclue. Le jetpack, mais bon, lui, de toute façon, on connaît. On l'a déjà vu sur Star-Lord. C'est le même. Et puis, il y a ce magnifique gun qu'on va retrouver pour Rocket, qui est super beau. Beau paint, métallisé, super joli, bien détaillé. Et on voit que c'est pour Rocket, parce que quand on voit la taille des poignets, ça ne peut être que pour lui une petite taille pareille. Donc, magnifique gun pour Rocket. Donc ça, partie exclue. Hop, je retire ça. Le reste, c'est de la régulière. Donc le reste, vous retrouverez tout ça dans vos versions classiques si vous ne prenez pas la Deluxe. Hop, je retire ça aussi. Figurine très attendue par beaucoup de monde, pour la simple, pour plusieurs raisons. Premièrement, au niveau de la réalisation du Head Sculpt, c'est un truc de fou, la tête, elle est juste mais monstrueuse. Deuxième chose, le personnage qui, sans spoiler, a disparu donc, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc forcément, le figurine qui ne sera plus est réédité dans un autre film ou autre, puisque le personnage est mort. Donc forcément, aucun souci à ce niveau-là. Ça va être une figurine qui va devenir collector, parce qu'il n'y a pas de réédition qui sera prévue. Le contenu. Il y a énormément de choses, et on va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mains au total. Avec les deux, donc les deux inclus la figurine, d'un bleuté magnifique. On voit les veines
bien dessiné sur toutes les mains également. Donc, superbe. Des mains pour tenir les flèches, des mains fermées, des mains ouvertes. On a un petit peu toutes sortes. Hein. Donc, toutes les mains sont hyper, hyper bien détaillées. Et je vous dis, on voit, ils ont bien peint les veines, etc. sur les mains. De toute façon, chez Hot Toys, on sait où on va. Un micro-socle, ce sera pour Baby Groot. Baby Groot, justement, une petite protection avec les mains qui s'allongent. Vous savez, quand il fait grandir ses bras au niveau de la branche, donc on a Baby Groot, magnifiquement réalisé comme d'habitude, hein, avec les deux petits trous sur le dessus si on veut le mettre sur le petit socle. Donc, magnifique Baby Groot avec les petites mains allongées. Donc hop, si on veut, on met sur le socle et on peut le poser où on veut, il tiendra. Si on veut le mettre dans la cage, avec ou sans socle, c'est vous qui choisirez. Et on peut à ce moment-là refermer la cage en lui faisant passer ses mains. Hop. J'essaie de vous montrer le résultat. Voilà. Si on le met à l'intérieur de la cage, pardon, avec les mains qui sortent, puis vous pouvez retirer le socle si vous le désirez. Hein. Mais au moins, vous voyez le résultat du petit Baby Groot qu'on retrouve dans, dans la cage en question quand il est prisonnier. On a les flèches. Vous savez, la fameuse flèche, il y a un petit embout plastique qui s'enlève parce que la flèche est vraiment ultra, ultra piquante. Donc, il y a un petit bout de plastique qui protège. OK. Et la flèche hyper détaillée également. Regardez la sculpture dessus. Donc, les flèches, il y en a deux. Une qui est associée à un effet de déplacement, vous savez, quand il siffle. Et puis, celle-ci sur le bout est une... Est a un effet rouge aussi puisqu'elle est en activation quand il siffle, donc ben, aïe, putain, c'est vrai qu'elle pique la vache, c'est vraiment 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 blessant, faites attention. Donc là elle est moulée dans la dans l'effet de transparence de déplacement, donc ça on fera un effet tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne. Et donc voilà, quand Yondu siffle, il arrive à déplacer cette flèche et c'est son arme, et il l'utilise et il tue les ennemis ou autres grâce à cette magnifique flèche. L'effet justement, il est là, il s'assemble en différents morceaux. Si je dis pas de conneries, ça va s'assembler comme ça. Et puis ici, comme ça. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on peut placer ça de la meilleure manière pour donner quelque chose qui donne plutôt joli et plutôt accurate. Donc on regardera ce qu'on peut faire au niveau de la... Au niveau de la pose, pour avoir quelque chose qui donne un véritable effet, pas avoir un truc dégueulasse, quoi. Il y a une position pour le mettre, pour que ça donne bien, et je vous montrerai ça pendant, pendant la pose tout à l'heure. Donc deux petites flèches, la crête, donc sa nouvelle coiffe, donc même designée à l'intérieur, hein. Donc sa coiffe, et puis ben, la figurine, on va la regarder ensemble, le socle, donc magnifique socle comme toujours. Hot Toys avec les gardiens de la galaxie, le socle est super joli avec l'effet de galaxie derrière, justement. Yondu. Hop. Super socle. Et au niveau de la figurine, eh bien, on va regarder un petit peu ça ensemble. Alors, déjà, rien que voir les vêtements, c'est du grand Mendes. C'est très, 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 très puissant encore. Je me demande chaque fois, honnêtement, de vous à moi, chaque fois que je vois des vêtements pareils au 1/6, je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour être si précis? Celui-là, franchement, autant les Star-Lord, etc., c'était déjà détaillé au niveau, du, au niveau des vêtements, ce genre de choses. Mais alors ici, Yondu, c'est un autre niveau. Encore. Bon. Excusez-moi. Hop là. On va retirer les petits plastiques. Voilà. Au niveau des jambes. Et voilà. Hop et hop. On va mettre ça de côté pour le moment. J'y reviens après. Alors.
Ouais, comme je vous dis, c'est un truc de fou. Les vêtements, le dessous, il y a la veste déjà en elle-même qui est déjà magnifique. Il y a déjà la veste qui est magnifique en elle-même, avec même là l'espèce d'arbre détaillé avec les petits points, le logo des Ravageurs, la veste en elle-même, câblée pour donner du volume. Ouais, elle est câblée, donc on peut donner le volume qu'on veut. Mais toutes ces textures, tous ces détails, je ne suis pas encore arrivé au HS, hein, je suis seulement sur les vêtements. Encore des petits plastiques. Hop. J'ai l'impression qu'ils ont poussé le détail même jusqu'au bout parce que je vois dans le pegs que même le body a l'air d'être bleu en dessous. Donc je pensais qu'ils auraient utilisé un body classique, normal, mais au final j'ai l'impression que le body en dessous est bleu. Le foulard, tout y est. Tout y est. Bon, le HS, c'est une tuerie monumentale. Alors la grosse crainte que j'avais, et où j'ai eu peur, parce qu'on ne le voyait pas bien dans les photos, c'est que j'avais l'impression qu'ils avaient fait les yeux de Yondu noirs, ou bleus, ou autres, parce que Yondu a les yeux rouges. Et non, effectivement, on peut regarder de près, voilà, le HS de malade mental. Voilà. Regardez-moi cette tête de fou, malade, avec le petit sourire narquois. Regardez-moi la réalisation de ce HS. Les cicatrices. Et donc les yeux sont bien rouges. J'essaie de vous montrer la lumière, voilà. Les yeux sont bien rouges, parce que là, ça aurait été la grosse connerie d'Hot Toys de ne pas faire les yeux de la bonne couleur de Yondu, j'aurais pas compris. Mais les yeux sont bien rouges, je vous rassure pour ceux qui se posaient la question, pourquoi est-ce que les yeux sont pas rouges, et bien ils le sont. Donc zéro souci, regardez le foulard, les vêtements, regardez-moi le détail de tailoring, les bottes, l'intérieur, la besace, hop, le truc. Le holster qui va venir tenir la flèche, qui est ici. Je vais vous montrer après tout ça. La veste, les vêtements, c'est du haut niveau, les gars. Regardez-moi la réalisation de la veste à l'arrière. C'est pour moi la plus belle réalisation de 2018 aujourd'hui de figurine que j'ai dans les mains. Au niveau détail, au niveau de tout ce qu'il y a à faire, c'est la figurine. La plus belle figurine 2018 qui est sortie chez Hot Toys aujourd'hui. En tout cas, franchement, puisque je depuis, voilà. Franchement, c'est la figurine la plus jolie 2018 de chez Hot Toys. Et encore, hein, je pense que la dernière qui m'a bluffé au niveau de réalisation, c'était Doctor Strange qui était super jolie. Et celle-là, elle arrive à un niveau, mais qui est... Niveau de la tête, la crête. Donc on a la crête classique. J'essaie de prendre mes esprits parce qu'elle est vraiment tellement belle. Ça s'enlève. C'est aimanté, écoutez. Hop, c'est aimanté, donc on l'enlève et on peut lui mettre de la même manière, qui va être aimanté également. Hop, sa crête. Donc la crête se remet facilement, c'est aimanté, c'est assez simple, donc rien de bien embêtant à devoir mettre. La flèche, je vous explique parce que ça peut être intéressant pour certains. J'ai vu pas mal de photos, dont mon ami justement Florent, qui avait mal mis la flèche. Elle va se mettre, je retire ça, dans ce sens-ci, d'accord, flèche vers le haut, pointe vers le haut, vous la rentrez, vous tournez pour que ça glisse, et puis vous venez remettre ce petit truc ici, dans, hop, la petite partie qui va venir se refermer. Comme ça. Vous voyez? Comme ça, elle tient, elle est prête à être dégainée par Yondu avec un petit coup de sifflement. Et c'est comme ça qu'elle se met la flèche. Donc avec le petit truc qui vient y retenir ça ici, elle se glisse dedans, ne mettez pas dans l'autre sens, ça ne sert pas à grand chose, ça va faire moche, parce que justement, si elle doit partir, elle doit partir droite comme ça, et pas dans l'autre sens. Donc c'est comme ça qu'elle se met. Mais cette tuerie. Je vous fais une petite pause, et on se retrouve tout de suite les amis. Voilà, petite pause. Donc, pour poser les choses convenablement et avoir un truc qui donne pas trop moche, le plus simple, vous prenez la veste, vous lui faites tenir la veste dans la main, comme s'il écartait pour que la flèche sorte, vous glissez l'effet dans l'espèce de carquois de la flèche, vous glissez l'effet à l'intérieur, ça fait l'effet comme si elle venait de sortir, tourner autour de sa tête, et il la rattrape dans sa main. Donc cet effet peut donner quelque chose de plutôt joli, on a quelque chose qui est plutôt design, et si on veut utiliser l'effet de déplacement, c'est quelque chose qui est bien. La tête, comme je vous l'ai dit, facile, hein. Donc on retire ça, on remet... ça si on veut pour avoir les deux looks, donc on gère vraiment les looks comme on a envie, donc c'est hyper facile à remplacer au niveau de la crête en question.
Les amis, franchement, c'est une belle claque. Hein. Franchement, c'est une superbe, super figurine. Le détail dessus, à tout niveau, des vêtements, du paint, du HS, des accessoires, tout est magnifique sur cette figurine. Il n'y a pas à dire, quand Toys fait quelque chose, il y a les trois petites flèches ici aussi sur le côté, tout est magnifique. Perso, moi, je m'en mettrais même pas à essayer de mettre le jetpack en question de Mary Poppins. Je lui mettrais même pas le jetpack. Parce que ça viendrait gâcher le costume en question au niveau de la visibilité. Ça, le seul truc intéressant pour la version Deluxe, c'est limite le petit Groot avec la cage. Ça, c'est vraiment bien. Mais sinon, le petit flingue de Rocket et le jetpack, perso, je ne sais pas si c'est l'utilité d'avoir ce genre de choses en question. Mais c'est une tuerie monumentale. Le petit regret que j'aurais, et que j'aurais vraiment aimé que, par contre, que Toys fasse, c'est un HS neutre comme celui-là avec le petit sourire en coin. Et j'aurais vraiment aimé avoir un deuxième HS alternatif avec la bouche en mode sifflement. J'aurais kiffé avoir le fait d'avoir la mimique de la bouche comme s'il était en train de siffler pour justement avoir cet effet de déplacement de la flèche en question et que le HS corresponde au mouvement en question. Donc juste une petite bouche qui aurait sifflé ou autre, ça aurait donné un deuxième HS monstrueux pour cette figurine en question. J'ai pas grand chose à dire hein, au niveau figurine, les articulations sont nickel, on peut vraiment plier le bras super bien, on voit bien, on peut mettre la main comme on veut pour faire attraper la flèche ou autre. La couleur du paint et du bleu est magnifique, le détail du head sculpt, vous le verrez dans la vidéo de près du visage, et c'est l'acteur sans problème qui est représenté, mais magnifique. Tout est intelligemment joué, la crête facilement enlevable, et on peut mettre l'autre crête courte. Non, franchement, il n'y a pas un défaut sur cette figurine, quoi. C'est un truc de malade. Il y a parfois des choses à dire, mais là, il n'y a pas à dire. La veste est câblée, on peut lui donner le mouvement qu'on veut. Voilà. Je pense que quand il n'y a rien à dire, vaut mieux ne rien dire. Donc, je vais vous laisser voir tout de suite le visuel de près de la figurine. Allez, à tout de suite, les amis.
Mais que dire d'autre, hein, donc. Voilà, 100% une réussite, comme Hot Toys sait les faire. Là-dessus, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à réfléchir. Je vous ai mis le jetpack pour ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemble. Ça, vous voyez un petit peu avec le jetpack, le visuel qui est possible de mettre donc avec la veste, sans la veste, comme on veut. On peut mettre le jetpack facilement. Je vous ai mis le Big Road dans sa cage, où il tient la cage avec le Big Road en tendant de ses bras. Donc voilà, franchement, figurine dispo à Hong Kong depuis mercredi. C'est une tuerie monumentale. Elle est très 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 chère pour le moment à Hong Kong. Elle a passé les 400$, donc il fallait s'en douter parce qu'elle a eu un carton énorme. Elle est sold out partout à Hong Kong. Donc il en reste encore chez les revendeurs européens. C'est une figurine qui sera pas rééditée, donc perso je peux que vous la conseiller. Sautez dessus. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous achetez à Hong Kong et vous l'avez rapidement et vous mettez par contre le prix assez conséquent dessus. Si vous savez attendre encore 4-5 mois, ben, elle arrivera courant septembre, je pense, en Europe. Et là, ben, vous pourrez à ce moment-là vous faire plaisir à moindre frais. C'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve certainement demain pour une autre review. Il me reste le Sideshow Leatherface à vous montrer en review. Et puis je devrais recevoir normalement demain samedi le garde rouge de Star Wars épisode 7, donc les gardes de Snoke. Je devrais en revoir normalement un demain, le Heavy Blade, à pouvoir vous présenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, que ça vous a conforté dans votre choix et que ceux qui hésitent encore, ça vous a conforté dans le choix de vouloir la prendre. Rien d'autre. Franchement, quand je suis bouche bée comme ça, c'est que la réalisation, elle est de haut niveau, les gars. À bientôt pour une prochaine vidéo.